Bonjour à tous, c'est Frosties et on se retrouve pour ce quatrième épisode du Playthrough 13 du groupe Gamers Geek. Nous venons en fait de sortir, on est sur le bâtiment du FBI, donc on a été capturé dans l'épisode numéro 2. Et donc dans le troisième épisode, on était dans le bâtiment du FBI qui s'est fait attaquer, donc il y a beaucoup de monde qui veut nous tuer. Et donc nous sommes sur le toit et une personne nous a libérés parce qu'on était menottés à une chaise. Et donc on va aller voir cette personne et on va en apprendre plus en fait sur qui nous sommes, qui elle est et sur ce qui se passe. Tu n'as pas l'air ému de me retrouver. Tu disais la vérité alors. Tu as réellement perdu la mémoire. Mais qui êtes-vous ? Je suis le Major Jones, l'ordonnance du général Carrington. Ça ne te dit rien ? Carrington a disparu depuis 3 jours. Il menait une contre-enquête sur l'assassinat du président Sheridan. Lui seul peut prouver ton innocence. Ne restons pas ici. Il faut escalader ce mur. Je passe devant. Donc cette vidéo, c'est la deuxième fois que je l'enregistre parce que la première fois, j'avais passé 5 minutes à essayer de trouver ce grappin. Voilà. Donc on appuie sur le bouton de tir pour monter et le bouton secondaire, le bouton de droite de la souris pour descendre. Voilà. Un addict doit me contacter d'un instant à l'autre. Il sait où Carrington est séquestré. Tiens. Donc comme quoi ça tire toujours dans tous les sens. Tir alternatif. Headshot. Et donc pour ceux qui viennent seulement d'atterrir sur cette vidéo, en fait ce jeu est tiré d'une BD et donc il y a vraiment des scènes, des animations vraiment qui rappellent qu'on est dans une BD. Comme c'est... Descends de l'autre côté. Ces vignettes qui... Ces vignettes en fait qui rappellent la BD où on voit en fait ce qui se passe. Alors non, c'est pas ça que je veux. Moi j'aime bien, ça rajoute de l'animation. Parce qu'en fait j'ai dû refaire les premiers niveaux parce que bien sûr j'avais enregistré, je pensais pas recommencer l'enregistrement. L'individu interpellé par le FBI en fin d'après-midi. C'est qu'on voit pas trop en fait quand il recharge. Mais les enquêteurs se refusent à tout commentaire pour l'instant. Et ce soir, par exemple, tout le monde s'interroge sur la sécurité de Walter Shiba, frère du président assassiné. Quand il recharge, voilà, on le voit pas recharger, puis il recherche très vite. Contre l'actuel président, le candidat républicain. Et il me semble que le temps de rechargement... Et le même, quel que soit le nombre de balles qu'il y a déjà présent à l'arme. Et on continue en musique avec le dernier tube de Brian Lee. Des grenades intéressantes. On va tout faire péter. Ah, je peux pas prendre la... J'ai le droit au tir secondaire, mais je peux pas prendre la... La chaise comme les niveaux précédents. Vous allez me dire, pas trop besoin. Prends ton élan.
Alors sauter c'est espace. Le fait de donner un coup de crosse ne sert pas à grand chose. Attention, sniper. Alors le gars c'est un tireur d'élite. En déplacement il arrive à me toucher. Ça arrive souvent dans les jeux où on est à ras d'un mur et on tire sur un mur invisible. Par ici. Comme ce qui s'est passé tout à l'heure. On fait des sauts à la Matrix en passant d'un bâtiment à un autre. C'est pas le moment d'admirer la vue. Amène-toi. Ça c'est un homme, une femme. Bon, petite blague pourrie. Tiens, prends ça. Bonne grenade. Elle sert à que dalle, hein. Je sais pas où elle est. Alors, on va se soigner avec le bouton A, c'est. Quelle galère! Si seulement je t'avais accompagné sur ce bateau. Ce que j'aime bien dans ce jeu là, c'est que c'est bien scénarisé. Je veux dire, on n'avance pas pour avancer, le but c'est de se sauver. J'ai l'info. Je vous écoute. Carrington a été mis aux arrêts par le général Stanwell. Il est séquestré à Emerald. Une base militaire complètement isolée dans les montagnes Appalaches. Il me reste à découvrir pourquoi Stanwell veut tenir Carrington avec un du attaque. Je t'assure qu'ils sont là-dedans. Passe-moi la lance-roquette. Heureusement qu'il s'est pas tiré. Et boum, dans la tête. Ça c'est cool aussi, on voit l'impact. Le gars, je lui refais les dents. Mais lol! Ah punaise, on recommence pas tout. Jones, vous me recevez? J'ai l'info. Je vous écoute. Ça m'apprendra à vouloir observer la dentition des gens. Une base militaire complètement isolée dans les montagnes Appalaches. Il me reste à découvrir pourquoi Stanwell veut tenir Carrington à l'écart du Vladak. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle sert à rien, elle sait même pas se défendre. C'est fou ça, quand même. Je ne peux pas accéder au tarmac.
est sans main quand même. On ira pas loin avec cet appareil. Tiens, regarde. La base droit devant. Donc voilà pour ce quatrième épisode. Donc là on va se retrouver, donc je crois que c'est en Alaska, pour une mission qui va être un peu plus infiltration que les autres, ce qui est pas plus mal. Je vous retrouve pour donc pour cet épisode, le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée si vous regardez le matin, une bonne soirée si vous regardez le soir, et à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Gamers Geek pour être tenu au courant des dernières vidéos. Salut !